Salut à tous, nouvelle vidéo du DLC. Alors j'ai choisi ce véhicule, hein, que je trouve assez stylé, vraiment sympa. Donc pour acheter les véhicules, hein, rien de compliqué. Il y a un nouveau site qui a été émis. Donc c'est le site Benny. Vous allez sur le site, stock, et vous achetez tous les véhicules. Il y en a 6 en tout. Après je sais pas s'il y en a d'autres qui vont apparaître, mais je sais pas du tout. Peut-être quand on fera l'émission ou autre. La salle, il va présenter ce véhicule, il va le customiser tout seul, il l'a customisé dans sa vidéo. Donc vous allez voir tout ça dans sa vidéo cet après-midi. Ensuite, c'est parti. Donc j'ai pas encore découvert, enfin j'ai découvert à quoi il ressemblait le garage étant donné que j'étais voir Lamar. Et donc il m'a proposé d'aller voir, enfin d'aller customiser un véhicule dans le garage. Donc c'est parti, hein, on va aller customiser tout ça. Vous voyez la mission là, vous devez être à pied. Non mais je vais pas déclencher l'activité en fait, je vais rentrer dans le garage. Allez, rentre dans le garage. Ah, voilà. Oh là là, c'est lourd. Oh, regardez. Regarde. On va aller à pattes pour voir déjà. Je vais vous présenter, faire un petit tour à pattes. C'est magnifique. Oh, on voit que c'est gangster. C'est trop magnifique. Oh my god. Franchement, ça n'a rien à voir avec les custom. On voit que ça a été travaillé. Hein. Tous les tags, ça fait gangster. Oh, ce véhicule, il est magnifique. Ah, c'est celui que j'ai pris, je crois, en plus. Non, ah non, ah non. Peut-être un véhicule secret. Et une bâche avec un véhicule, je sais pas trop c'est lequel. Voilà, franchement, assez stylé. La salle vous a fait un peu tout le tour. On peut monter en haut, je crois. Je sais pas ce qu'il y a en haut. Enfin, bref. Je vais pas tout vous montrer. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de la salle cet après-midi. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a vraiment tout présenté en détail le garage. Moi, je veux juste customiser le véhicule que l'un de mes préférés. Donc, c'est parti. Hein. Je vais découvrir en live. Allez, allez, c'est parti. Avant tout, laisse-moi dire chez Benny, on peut faire ça sur n'importe quelle caisse. Ah, apparemment. Je pose uniquement sur certains modèles et certaines marques. Je cherche toujours à attendre mes capacités, mais on est là pour l'instant. Ok. La première étape, c'est la préparation de la base et tout le reste peut aller dessus. Ok, donc apparemment, on va devoir ouvrir le capot, bosser sur le moteur. Ah ouais, il nous fait son petit, sa petite pub tranquille. On les répare aussi, alors évite les accrochages. Ah, voilà, réparer le véhicule. C'est parti! Transformation. Alors, Chino Custom, c'est quoi? Si, si, c'est le petit saut, je crois. Blindage, on va tout mettre hein, à fond. Frein de course, pare-choc. On va mettre pare-choc avant custom, c'est juste ici. Châssis, réservoir. Le gris, il est magnifique, réservoir chromé. Ouh, et c'est lourd, c'est trop lourd. Bloc de moteur, oh! Ah ouais, bon, je pense que je vais mettre celui-ci. Et c'est quand même assez cher, hein, les customisations. Filtre à air. On va prendre celui-ci. Il est magnifique. J'aime bien tous, hein, mais je préfère celui-ci. Réglage du moteur. Bah, bien évidemment, niveau 4. Hein. Il y a des nouveaux trucs, un hein, nouveau bloc moteur, etc. C'était pas avant. Échappement. Échappement double. C'est bon. Explosif, non. Elle. Alors, elle, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Comme ça ou comme ça. Je préfère largement celle-ci. Quoique ça cache un peu la roue, mais c'est stylé. Donc, on va mettre ça. Capot. Oh my goodness! Oh, c'est franchement, il est lourd le DLC. Hein. Franchement, c'est magnifique. En plus, ça fait longtemps qu'on attendait ces véhicules-là. On l'avait déjà dit pas mal de fois dans les vidéos de la salle, c'était les véhicules qui sautent et tout. Franchement, assez stylé. Je vais mettre ouverture simple, je pense simple, j'aime bien. Triple électro, j'aime pas trop. Klaxon, il y a des nouveaux klaxons. Apparemment. Ah, il y a des nouveaux klaxons. Lourd. Nouveau klaxon, ça m'intéresse, j'entends pas bien. Ok, on voit, je sais pas ce que je vais mettre. Je vais mettre San Andreas, allez, parce que j'aime bien San Andreas. Pompe. Ah ouais, c'est quoi ça?
Installer une suspension pour soulever et abaisser la caisse. Plus les pompes seront puissantes, plus vous pourrez aller haut. Bon, on va mettre le plus puissant. Quadruple pompe. C'est quoi ça, les gars? Ah, c'est l'intérieur. Ah, c'est l'intérieur. Ouah, on peut mettre l'intérieur. Start, faut que. Non, non, non. Parce que j'ai mis caméra. Caméra, vue capot, 100. Voilà, parce que j'ai mis la vue capot. Non, non, pas quitter. Alors, pont habillage. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on va mettre? Crocodile. Crocodile, pardon. on va mettre ça. Non, quoi que c'était dit avant, je vais mettre du tigre, tiens, j'aime bien. Couleur de finition. Ah, on peut mettre les couleurs et tout. Waouh, rouge. Rouge lave. Quoique en blanc, non? Ouais, les gars, franchement, c'est vraiment magnifique ce DLC. Oh, c'est très très lourd. Je vais mettre du blanc. On va rester dans le blanc. Décoration. Ah, on peut changer la décoration. Je vais mettre qui, tiens. Ah, je vais mettre. Oh, un pogo! Pogo, gros, on va mettre le pogo. Il y en a plein d'autres, mais je vais mettre le pogo. Cadran. Ouais, on peut changer ça apparemment aussi. Oh, mais tiens, ça rock'n'roll, ce volant. Wow, le volant magnifique. On va mettre ça. Levier de vitesse aussi, on peut le changer. C'est lourd. Pogo, dites-moi qu'il y a Pogo. Il n'y a pas Pogo. Oh, c'est lourd celui-là. Je vais mettre celui-ci. Plaque décorative. Ah, c'est le truc derrière, c'est ça. On va voir déjà tout ce qu'il y a. Oh, on va rester dans le San Andreas, je vais mettre San Andreas. Couleur d'éclairage, c'est quoi? Ah, c'est la couleur de ça. Du coup, je vais mettre du blanc. Voilà. Éclairage. Phare xénon, bien évidemment. Kit néon. Bah oui. Avant, arrière, couleur néon. On va mettre du blanc. J'espère qu'il y a du. Je sais pas s'il y a du blanc. Ah là, blanc. Voilà, blanc. Bah c'était déjà blanc, mais je pense qu'on va mettre plutôt du. Bon, on va laisser. Ouais, mais blanc, ça se verra pas trop. Ouais, je vais mettre du. Je vais mettre couleur crew parce que j'aime bien. Motif. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est. Oh! Oh my god, le véhicule il change totalement. Magnifique. Et je découvre vraiment en live, les gars. C'est magnifique. Je vais essayer de rester dans le blanc. Il n'y a que ça en blanc, putain, c'est dommage. Ouais. On va prendre ça en blanc. Voilà. Je vais essayer de faire un véhicule blanc. Voilà, on va mettre ça. Prévention, bah c'est déjà fait. Plaque. Plaque personnalisée apparemment. Il y a des nouvelles plaques. Là, vous voyez la plaque. Fil barbelé et tout. Je vais mettre fil barbelé, moi. Pitbull. Non. Il n'y a pas San Andreas, Pitbull. Fil barbelé, je vais mettre. Ah, ça se voit pas trop. Celle-ci, non. Celle-ci, tu as les têtes de mort. Ah ouais, lourd, c'est lourd. On va mettre du blanc. Où est-ce qu'il y a du blanc? Là. On va voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Bon, on va mettre, c'est ça. Non, The Pounder, on va mettre celui-ci. Et on va rester du blanc aussi, ici. Voilà. Peinture. Couleur finition, c'est quoi ça? C'est l'intérieur. Couleur principale. Je vais laisser noir. Je vais laisser noir. Franchement, je vais laisser noir. Je vais pas changer. Quoique, je vais peut-être mettre du mat en noir. Ouais, mat noir. Magnifique mat noir. Voilà.
couleur secondaire, c'est quoi? Ah ouais, c'est l'intérieur du véhicule. Je vais mettre du noir aussi. On peut mettre du noir en mat hein, dans l'intérieur du véhicule. Quoique du. Ouais, je vais plutôt mettre du gris parce que noir ça fait trop foncé. Toi. Oh my god, on peut mettre le toit décapotable. Bien évidemment qu'on va mettre du décapotable, c'est juste magnifique. Transmission. Transmission de roue. Et il y a pas un truc à custom, hein, c'est lourd. Coffre. Ouais. Ça c'est lourd. Turbo, ouais. Roue. Je vais laisser comme ça les pneus, j'aime bien. Fenêtre, limousine. Et on a fini. Et voilà, ce TLC, c'est vraiment magnifique. Lourd le véhicule décapotable. Donc on va peut-être faire toutes les customisations. Je vous dirai si je ferai tout vraiment. En tout cas, la salle, il va. Cet après-midi, vous allez avoir un des véhicules aussi il est magnifique. Donc restez connectés sur les chaînes cette journée hein, et demain même je pense. Hein. Donc voilà à quoi il ressemble mon véhicule, juste magnifique, je vais garder celui-ci. En plus ça va bien avec ma tenue, parce que j'ai choisi un truc avec ma tenue. Voilà, ciao les gars, et bye, profitez bien du DLC, restez connectés, ciao.